La production de sirop d'érable au Québec est une industrie de taille. Comptant pour 72 % de la production mondiale de sirop, le Québec produit en moyenne 175 millions de livres par année. Longtemps relégué au folklore et à la tradition, la sériculture s'appuie désormais de plus en plus sur la foresterie, l'agronomie et sur les technologies innovantes. Aujourd'hui, on s'intéresse à la science des érablières. On se trouve présentement à l'érablière Escuminac, hors saison des récoltes, à l'automne. On vient faire la connaissance de Martin Malenfant, qui est propriétaire de l'entreprise, qui est maître acériculteur de troisième génération et qui produit du sirop d'érable biologique à partir de 65 000 en taille. Je suis natif du Bas-Saint-Laurent, plus précisément à Saint-Frito, c'est un petit village pas loin de Trois-Pistoles. J'ai fondé l'érablière Escuminac en 1998. C'était un petit peu plus que 20 ans, puis je suis tombé en amour avec la région. Fait que présentement, là, je suis à temps plein par ici. Qu'est-ce qui fait que tu es passionné d'acériculture depuis trois générations chez vous, même quatrième, c'est-à-dire que les enfants participent maintenant? Oui, c'est ça. Là, ma fille vient d'acheter l'érablière qui m'a déjà appartenu, qui appartenait à mon grand-père. Hein. Puis mon garçon travaille à l'érablière, puis ma femme aussi. Là. Ça fait quand même longtemps que je suis là-dedans, mais je suis encore passionné. Dans le fond, on fait attention énormément à nos saveurs, à essayer de développer le plus de saveurs possible, des bonnes pratiques de travail, puis une bonne équipe aussi. Là. Tout ça mis ensemble, on va développer une bonne saveur de sirop d'érable. On arrête le produit avec nos yeux, puis s'il est bon, on va le racheter, mais il faut tailler les deux. J'aime bien vraiment le côté forêt, puis il y a le côté bureau. Je trouve que je fais trop de bureau, pas assez de forêt. Là. Bien, dans le fond, ici, j'ai 350 hectares en opération. C'est quand même une très grosse superficie. Puis c'est un terrain quand même assez accidenté. Puis au niveau, mettons, là, conception, là, c'était comme un défi important. Là. Vous produisez du sirop d'érable biologique. À quel point c'est un défi? À la base, là, l'eau d'érable, le sirop d'érable, c'est biologique. Mm-hmm. On n'a pas de pesticides, on n'a pas d'engrais, on n'a pas de voisins non plus, c'est une forêt vierge. Là. Mais on a quand même des choses à respecter au niveau aménagement forestier, justement en protégeant des essences compagnes, en faisant un entoyage là, justement de bonne qualité pour favoriser la croissance des arbres. On n'utilise pas de produits de nettoyage pendant la saison. Hors saison, on a certains produits qu'on a le droit d'utiliser pour avoir une traçabilité complète. C'est le sirop, là, dans le fond, que j'ai bouilli, le 7 avril, là, ben, si tu te dis c'est quel sirop, ben, je vais pouvoir te dire dans quelle bouteille il va être. Là. Parlant de traçabilité, quelles sont les étapes de l'extraction de la sève jusqu'à la livraison du produit fini? Ben, on commence par l'entoyage. L'entoyage, c'est une des parties les plus importantes. Là. Par la suite, on s'occupe de faire notre vacuum. Puis à cette heure, on a un système de borne Wi-Fi qui va nous donner mettons, notre vacuum en temps réel au niveau de toutes les maîtres lignes. Puis on a un système de contrôle dans toutes les stations qui va nous dire si la station marche. Là. C'est quoi le nombre de gallons d'eau qu'on recueille par jour ou par heure. Vous avez innové aussi parce que vous avez un système de tubulure, de tube qui est souterrain? Du bâtiment principal à la première station, il y a 3 km. C'est long à installer, sauf que quand il est fait, on ne y retouche plus. On ne fait plus rien que, mettons, de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite dedans. C'est que ça garde notre eau froide. Vu que notre eau est un petit peu en haut du point de congélation, peut-être à 2 Celsius, là, on est moins pressé par le temps parce que les bactéries ne se développent pas trop dedans. Dans le fond, le réseau tubulure, ça commence par les petits tuyaux bleus qu'on voit présentement, là, qui sont reliés à des maîtres lignes, des tuyaux noirs, 1 pouce, qu'eux autres là, descendent tout le temps, qui sont reliés à ce qu'on appelle nous autres un relais. Ce relais-là, il y a 2 plus gros tuyaux, toujours un d'air, un d'eau, qui rentrent dans la terre, qui s'en allent jusqu'à la station de pompage. À la station de pompage, on a ce qu'on appelle des relâcheurs, c'est que l'eau arrive là-dedans, puis il va être repompé vers le bâtiment principal. Mais tout ce réseau-là, là, jusqu'à la station de pompage, bien, tout ce réseau-là, il faut qu'il soit en pente constante. Là. Ça fait que si ton système, tes pentes ne sont pas respectées, bien, tu vas perdre la puissance de ton vacuum, justement, qui va travailler à transporter de l'eau au lieu de créer un vide à l'entaille. L'eau, elle tombe dans les réservoirs. On va l'osmoser, on enlève environ 90 % de l'eau. Le système d'osmose inversée, le principe, c'est qu'il y a de l'eau qui est poussée à travers des membranes. Les molécules d'eau douce sont plus petites que les molécules d'eau sucrée. Mettons, les molécules d'eau douce, c'est une balle de ping-pong, puis le sucre, c'est une balle de tennis. Fait que la membrane ne laissera pas passer les balles de tennis, mais elle va laisser passer les balles de ping-pong. Ça fait qu'on récupère juste les balles de tennis d'eau.
après qu'il soit osmosé, là, bien, on va le bouillir. Là. Puis on va le bouillir pour l'amener à une densité de 66, entre 66 et 66,5 Brix. C'est le degré naturel de conservation du sirop. Bien, tout le système est contrôlé par un automate. Niveau d'eau, température de sirop, puis intensité de cuisson, on va le filtrer. L'arbre pompe l'eau de la terre, puis tous les minéraux. Ces minéraux-là, en bouillant, ils vont tous se rassembler ensemble, puis ils vont créer des petits cristaux. Là, si tu mangerais du sirop d'érable, puis qu'il n'aurait pas été filtré, tu aurais l'impression de manger du sirop, là, et le goût va être là, là, mais qu'il y aurait comme un petit peu de sable dedans. Là. On le met dans un réservoir. Après ça, on va le classifier par saveur, par couleur, par densité. On le met dans des bacs, on l'envoie dans l'entrepôt. Puis quand on a des commandes d'embouteillage, bien, on va sélectionner les barils qu'on prétend qui sont idéales pour faire ce batch d'embouteillage, là, selon justement la demande du client. On réalise que ça prend beaucoup de rigueur, en fait, puis d'innovation technologique. On est loin de l'image folklorique du chac, finalement, fait du sirop. Au début avril, que la vraie saison des sucres commence, là, qu'il y ait des bonnes coulées. Donc à fin avril, début mai, la saison se termine là. La meilleure température pour nous autres, là, c'est une température que personne aime, là. Pluvieuse, neige, là, tout ce qui, mettons, qui est printemps plate. Là. Les seuls contents, c'est les acériculteurs. Nous autres, c'est la température idéale. Si à mi-avril, là, on a une vague de chaleur de 4-5 jours là, qui ne s'agèle pas et qui fait vraiment soleil, là, ben, ça va avoir un effet sur la quantité de la sève qu'on va récolter par la suite, puis la qualité de la sève. Là. C'est un stress majeur parce que la période de production est vraiment courte. Fait que si les conditions météo ne sont pas favorables, bien, on risque d'avoir une récolte qui va être un peu moins bonne. Un érable qui n'est pas surexploité, il va avoir des anneaux de croissance intéressantes. Et si ton érable n'a pas des bonnes anneaux de croissance, il n'y a pas une bonne croissance, bien, il n'y aura pas de rentabilité au niveau sucre non plus. C'est pour ça que l'aménagement forestier, l'entoyage là, de bonne façon, bien, c'est des choses qu'il faut respecter. Là. Comment ça fonctionne quand vous faites une entaille? Comment est-ce que vous choisissez d'abord les arbres sur lesquels vous faites ça? Un entaille, il faut que ton arbre ait 25 pouces de diamètre. Si on veut mettre deux entailles sur un arbre, il faut qu'il y ait au moins 50 pouces de diamètre. Toutes les arbres, la plupart, ont déjà été entaillés. On se fie aux couleurs de peinture qu'on met l'année précédente. Puis là, on est sur du tube 5-16. On fait une entaille, il faut qu'elle soit 12 pouces plus haute ou plus basse que la précédente. Ensuite, il faut se tasser de 2 pouces. On va dire qu'on fait une entaille... Des avis ici, 8 pouces plus haut puis 8 pouces plus bas, le bois, il meurt. Ça fait que si on entaille de nouveau là-dedans, on n'a pas de production. Puis là, quel genre d'outils vous utilisez pour vous aider à faire des entailles de cette façon-là? Nous autres, c'est le marteau. Puis le marteau, il y a 12 pouces de long puis il y a 4 pouces de large. Ça fait que le milieu du marteau, tu mets ton marteau là, ça fait 12 pouces puis on tasse de 2 pouces. Vous avez un autre outil un peu similaire, si on peut dire, c'est une brosse? Pour enlever la mousse, pour voir s'il n'y a pas de vieilles blessures ou de vieilles entailles. Quand on fait une entaille, on met une peinture en dessous. Ça fait que l'année d'après, on se fie là-dessus, puis il faut toujours tourner vers la droite. Si un arbre est fendu ou qu'il y a une blessure, il ne faut pas entailler. On peut juste entailler une fois dans l'année. Ça fait qu'il faut être sûr que ton entaille est bonne. Commencer à faire l'entaille, il faut regarder ton arbre. S'il y a une belle cime, puis s'il n'est pas cassé en haut. Quand tu te diriges vers l'autre, on se lève la tête pour te regarder en haut. C'est là souvent que les nouveaux nous disent « As-tu mal dans le cou? » Ton arbre se sépare en deux. Ou s'il y a des champignons sur l'arbre, on ne peut pas l'entailler. S'il y a une blessure en bas aussi, là un coup qu'on a nettoyé l'arbre, là, on sert du marteau. Là, pour le 2-12, bonne vieille drill. Là, les mèches sont faites que... Ça perd juste dans la bonne profondeur pour mettre le chalumeau dans l'arbre. On va dire la mèche est plus longue, tu pognes le cœur de l'arbre, soit qu'il meurt ou qu'il grossit plus. Ça, l'alcool, quand on entaille, toujours de l'alcool dans nos chutes. On va dire si ta chute pend, là, il n'y a plus d'alcool dedans. Là, on peut remettre de l'alcool juste dans la chute, pas dans l'arbre. Ça sert à quoi, l'alcool? Ça, c'est pour te désinfecter. Mais le bout du chalumeau, là, il est des vapeurs d'alcool. Ça fait que le chalumeau reste tout le temps vraiment, vraiment propre. Et quand on l'entaille, bien là, on va planter notre chalumeau dans l'arbre.
Mais si ce chalumeau-là, là, il serait contaminé, là, ben, l'arbre l'interpréterait comme un corps étranger. Mm. Puis le système de défense de l'arbre se mettrait en opération prématurément. Puis l'arbre arrêterait de couler, genre, mi-saison, deux tiers de saison, ben, il arrêterait de couler parce que lui, là, il serait mis en mode défense, puis il ne coulerait plus. Tu parlais du fait que le terrain parfois est en pente, comme ici. J'ai cru comprendre que ça fonctionne beaucoup avec la gravité. Ton tuyau 5-16 au corps, il faut tout le temps que tu aies un niveau de au moins 2 % en descendant. Est-ce que vous venez ici travailler l'automne? Parce que nous, on a l'impression que l'érablière, ça se passe principalement au printemps. L'automne, il faut tout marcher l'érablière. S'il y a des arbres de tomber sur les lignes principales ou sur les 5-16, est-ce que vous faites de l'aménagement aussi ou vous laissez la nature faire son œuvre? La plupart du temps, c'est quand on change la tubulure. D'habitude, c'est bon 15 ans. Pendant ce temps-là, ben, le ministère vient puis ils font du martelage. Ils vont choisir les bons arbres en regardant la cime de l'arbre, la forme de l'arbre. Tout. Ils font une sélection puis ils enlèvent les arbres qui sont moins bons. Puis dans ce temps-là, ils peuvent couper les sapins épinettes comme ça qui est moins utile d'un érablière. J'ai cru remarquer que vous avez des bornes Wi-Fi sur certains arbres. C'est certainement pas pour que vos employés aillent sur Facebook. Ça sert à quoi, juste? Tout notre réseau de tubulures est relié par des bornes Wi-Fi qui vont nous donner notre vacuum en temps réel. Puis toutes les stations de pompage aussi, là, on est capable de recueillir toute l'information. Puis là, on va analyser le graphique de telle mètre ligne. Ben, ça va nous dire s'il y a une fuite dessus, si c'est une fuite due à un connecteur qui fait jour ou c'est un mauvais niveau. Vers 6 heures du soir, quand on a les mètres lignes qui gèlent, bien ça, c'est une indication qui dit que ça, c'est une fuite. Si le gel se produit plus vers 4 heures, 5 heures de la nuit, quand le réseau est à moins 5, bien ça va nous indiquer plus que c'est un mauvais niveau. Le lendemain matin, on nous envoie un rapport sur notre téléphone avec une application Slack, là, qui nous dit, bon, OK, chaque équipe, telle équipe va travailler sur telle mètre ligne, telle autre équipe, pour que nos travaux soient vraiment ciblés, qu'on ne travaille pas pour rien et que les fuites soient réparées le plus rapidement possible. C'est génial. C'est vraiment un outil incroyable et indispensable. Les mathématiques, elles occupent quelle place dans votre travail d'un point de vue production, d'un point de vue vente aussi? Mes graphiques de production des 20 dernières années, c'est encore mes graphiques, je vois mes tendances, puis ça, c'est quand même intéressant à voir. Dans le fond, là, si on n'aurait pas d'osmose inversée, là, ça me prendrait 10 évaporateurs comme j'ai présentement. Ah oui? Parce que ça serait à peu près impensable. Fait que l'osmose inversée, c'est l'appareil la plus rentable de l'érablière. Il y a des printemps hein, qu'on calculait ça ici, là. Il y a des printemps qu'il y a rentré 1 million de gallons d'eau. Ah. Ouais. Fait que si on n'aurait pas d'osmose inversée, ça ferait 1 million de gallons d'eau à bouillir. Là. Au niveau des ventes, c'est plus les graphiques de croissance des ventes. C'est beaucoup le marché sur le web qui fonctionne bien. Oui, le côté Amazon est en forte croissance. Fait que on met beaucoup d'énergie là-dedans. 70 % de nos efforts marketing vont sur la vente en ligne. Le plus gros marché en ligne, c'est le marché américain. On commence à être assez présent sur le marché européen. On a commencé à vendre en Australie, puis le mois qui suit, on devrait être au Japon. Je dirais qu'à une époque, là, vraiment, les croyances populaires puis les repères météo, je pense que c'était important. À cette heure, on a tellement d'informations scientifiques qui nous arrivent qu'on va travailler plus avec ça. Puis je pense que c'est plus précis aussi. Ça a été une journée splendide à l'érablière aujourd'hui. J'ai été fascinée de voir à quel point la cabane à sucre a joliment évolué. Le monde de l'érable désormais en est un d'innovation. De voir tous ces outils technologiques qui sont déployés, que ce soit les bornes Wi-Fi qu'on utilise en forêt ou encore l'osmose inversée, l'automatisation et par une bande de passionnés à part ça. C'est curieux, mais ça m'a donné envie de savourer encore plus mon sirop d'érable.